On a appris cette semaine qu'une entente a été conclue entre le CN et le gouvernement fédéral sur le rachat du pont de Québec. On ne connaît pas encore les détails de cet accord, mais Élodie, ça fait déjà réagir chez vous. Exactement. D'abord, Véronique, ce que l'on sait, c'est que le pont de Québec sera racheté par le gouvernement fédéral pour la somme de 1 $ symbolique au Canadien national, donc le CN. Vous voyez derrière moi, le pont de Québec, là, c'est vraiment le symbole de la ville de Québec. C'est un pont patrimonial et il y a plusieurs experts qui militent pour sa conservation à long terme. C'est le cas de Denis. Alors, ça fait 40 ans qu'il étudie et qu'il tente de trouver des solutions pour préserver cet héritage. Et il a été déçu d'apprendre qu'une entente avait été conclue avec le CN et le gouvernement fédéral, car selon lui, la compagnie, le CN n'a pas su démontrer dans les dernières années ses capacités à protéger le patrimoine, à protéger la structure du pont de Québec. Il aurait préféré qu'une autre compagnie ferroviaire, comme Via Rail, par exemple, en fasse l'acquisition ou ait une entente là, avec le fédéral. Je vous fais entendre, monsieur Allard. C'est pas une vision à long terme, c'est pas une vision d'ensemble, c'est précipité comme annonce. Il y a beaucoup mieux que ça à faire au niveau du patrimoine, puis au niveau aussi de notre politique canadienne du chemin de fer. Et la vocation du pont de Québec, c'est le transport collectif, c'est une piste cyclable sur le pont de Québec, et non pas une artère à trois voies où on optimise l'achalandage d'automobiles. Et elle a dit, l'annonce officielle sur les détails de l'entente va avoir lieu cette semaine. Oui, Justin Trudeau en personne sera de passage dans la capitale nationale en début de semaine. L'annonce qui devrait se faire mercredi ou mardi, les détails à venir. Et ce qu'on sait aussi, là, c'est que le négociateur fédéral dans ce dossier, Yvon Charest, ne sera pas présent. Il est en voyage personnel. Mais on a bien hâte d'entendre les détails concernant cette entente. Merci, Élodie. Au revoir.